Shalom, 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 bienvenue aux 13h. 13h, prière avec l'aigle géant. Est-ce que tu as un poste? Merci de partager, partage au maximum. Nous sommes en studio, en ligne. Waouh! Nous allons commencer d'un moment à l'autre, dans l'occasion pour toi de partager l'émission, de partager bonjour, excellence, Mitchell, bonjour, Oscar, bonjour à toi qui te joins à nous. Si tu es là, je veux voir un coucou, je veux voir un coucou de ta part. Je veux que tu me dises, je suis là, Moselle, que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, Claudia, sois bénie, j'espère que tout se passe bien. Du côté de Yaoundé, Marie, Jane, tu es la prunelle de l'Éternel. Que Dieu te bénisse puissamment, c'est le 13h. Une émission de prière prophétique inspirée et guidée par une parole venant des Saintes Écritures, par un verset biblique, par un texte biblique qui nous conduit dans les profondeurs des mystères du royaume de Dieu pour nous permettre de prier avec efficacité et révélation. Je crois que tu as été béni dans les 13 heures précédentes. Alors bienvenue à ces 13 heures que nous sommes en train de diffuser en ce moment même en direct de la maison de gloire dans le studio de gloire. Ah, gloire à Dieu. « 13 heures », c'est une émission interactive dans laquelle personne ne reste silencieux. Dans cette émission, tout le monde prie avec moi, tout le monde. Tu es sur ton clavier, tu es en train de faire l'expérience d'une prophétie que tu relâches à travers ton merveilleux clavier. C'est le 13 heures. C'est l'émission dans laquelle tu ne restes pas juste devant ton smartphone ou ton PC pour regarder, mais tu es dans la prière. Je crois à la grâce de Dieu pour toi aujourd'hui, pendant que tu te connectes avec moi dans la prière, qu'il y a des grandes choses qui vont commencer à être relâchées dans ta vie. Un parfum de gloire va envelopper la maison, le lieu où tu te trouves en ce moment, pour que tu puisses être un témoin vivant de ce que Jésus-Christ est capable de transformer, de changer la vie de quelqu'un. Alors, bienvenue, bienvenue encore à notre 13 heures de cette semaine. Je salue comme ça tous ceux qui sont du côté de Douala, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont du côté de Yaoundé, la capitale, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je salue les ministres de Dieu qui servent le Seigneur de façon intègre. Que Dieu vous bénisse puissamment. Les mamans pasteurs, je veux aussi saluer les mamans pasteurs et élever les mamans pasteurs devant le Seigneur afin que le Seigneur les fortifie par rapport au ministère qu'elles ont auprès de leur mari. Je prie afin que le Seigneur vous donne la sagesse et l'intelligence pour savoir esquiver et éviter les ruses du diable. Je te salue, toi qui te joins à nous en ce moment. Prisca, sois béni. Toi qui es là derrière ton smartphone, que Dieu te bénisse puissamment. Et ne manque pas d'inviter quelqu'un, ne manque pas de partager l'émission. Partage, partage. Sophonie, tu es en ligne. Que Dieu te bénisse, ma fille, tu es la prunelle de l'œil du Seigneur. Maximum de partage afin de permettre à un grand nombre de se joindre à nous. C'est la parole de Dieu que nous partageons, ce sont les merveilles. Il y a quelqu'un qui te remerciera d'avoir partagé cette émission. Quelqu'un te dira merci, quelqu'un
te sera redevable parce que tu l'auras invité à cette merveilleuse émission. Alors nous allons dans moins d'une minute commencer à prier et inviter le Saint-Esprit à nous conduire dans le labyrinthe qui est merveilleux de sa parole afin que nous puissions entrer dans la prière. Alléluia, que Dieu te bénisse. Continue de partager, continue de liker les cœurs. Pendant que tu mets les cœurs au maximum, plusieurs personnes ont l'opportunité, l'occasion, le privilège de pouvoir se joindre à nous parce que la vidéo est au-dessus du fil de l'actualité. Et je rends grâce à Dieu pour toi qui es avec nous, pour toi. Alléluia, alléluia. Dites à tout le monde, dites à Amélie, dites à Nadia, dites l'heure que nous sommes déjà dans le studio de gloire pour cette suite de la série « L'art de bien commencer ». Wow! Shalom! Alors nous allons prier. Seigneur, je viens juste t'inviter parce que je sais que tu nous as donné le mandat de parler de ta part. Et chaque fois que nous le faisons, tu peux t'installer, tu es au rendez-vous. Il y a quelqu'un ici en ce moment qui a besoin de ta touche, qui a besoin de te voir. Père éternel, viens pendant cette émission, pendant ces une heure, nous rendre ministère par le ministère du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens toucher, touche une maison, touche quelqu'un, touche un besoin. Pendant que nous y sommes, tu connais le cri du cœur de quelqu'un, tu connais la soif, l'aspiration. Viens, relâche des ondes de grâce qui vont transpercer la noisseur de la vie de quelqu'un, le mur d'oppression, le mur de découragement afin que quelqu'un soit béni. Alléluia, merci Saint-Esprit d'être là. Au nom puissant de Jésus, que quelqu'un m'écrive Amen. Shalom, shalom, shalom. Alors, nous sommes dans notre merveilleuse série que nous continuons, peut-être que nous finissons, parce que vous savez, la fois dernière, nous avons pensé finir et le Saint-Esprit a créé un rebondissement dans la révélation et nous a amené à prier. De toute manière, le but est de prier, le but est de nous conduire dans la prière, dans des moments très prophétiques qui vont nous permettre d'ouvrir le dépôt extraordinaire que le Seigneur a mis en nous, à travers Christ en nous, l'espérance de vivre des grandes choses, de la gloire. Alors, nous parlons aujourd'hui de l'art de bien commencer et nous continuons dans notre merveilleuse série sur Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Nous allons même aller jusqu'au verset 4. Et je bénis le Seigneur pour toi qui a été déjà béni. Si tu as été béni, j'aimerais juste que tu me dises « J'ai déjà été béni ». J'ai déjà été béni parce que nous sommes aujourd'hui en train d'amorcer, je crois, la cinquième saison de cette série. Et je rends grâce à Dieu pour toi. Nous sommes en train de sortir les mystères sur la base de comment Dieu, lui, l'a commencé. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Waouh, waouh, waouh. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5, on continue. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Alors il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. On peut continuer ainsi parce que c'est merveilleux de comprendre. Alors ici, nous sommes en train de parler de l'art de bien commencer. Nous sortons des mystères et nous prions parce que étant à l'aurore d'une année, au début d'une année qui a été déjà amorcée, il est important de savoir comment bien commencer. C'est valable pour tous les domaines de la vie, que ce soit pour un nouveau travail, que ce soit pour une nouvelle chose qui entre dans ta vie. Tu dois maîtriser l'art de bien commencer. Alors ici, il est question de te faire marcher sur les traces du Seigneur afin que tu sois en mesure de bien commencer.
Alors, je veux juste dire à quelqu'un, si tu veux bien commencer, dis-moi, je veux bien commencer. Je veux entendre, je vais lire quelqu'un en ce moment qui est en train de me dire, waouh, je veux bien commencer, je veux bien commencer. Tu veux peut-être bien commencer tel domaine de ta vie, tel aspect de ta vie, une nouvelle relation, une nouvelle chose. Je veux bien commencer parce que le commencement, c'est la fondation d'une chose et tu as besoin de bien commencer, de maîtriser cet art que le Seigneur a si bien maîtrisé. Et la preuve aujourd'hui, les choses se sont installées et bien tenues. Je veux bien commencer. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui veut bien commencer. Je bénis le Seigneur pour ta vie en ce moment. Dis-moi quelque chose. Je veux bien commencer. Dis-moi quelque chose. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Alors, nous sommes en train de parler de l'art de bien commencer. Nous avons déjà parlé jusqu'à présent de trois secrets ou trois mystères ou trois pouvoirs que le Créateur Dieu a mis sur pied pour pouvoir bien commencer, pour pouvoir réussir le début des choses. Et aujourd'hui, nous allons continuer justement dans cette lancée parce qu'il est question que tu puisses être en mesure de réussir dans ce que Dieu a pour toi. Alléluia, alléluia. Tu vas réussir aujourd'hui encore. Alors, nous avons commencé par dire qu'il y a le pouvoir de la création. Celui qui veut bien commencer une œuvre doit posséder le pouvoir de la création. Alors, dans les séries, dans les saisons précédentes, autant pour moi, les éditions précédentes, nous avons parlé de ces choses. Nous avons essayé, par la grâce de Dieu, de te montrer que celui qui veut bien commencer doit opérer dans le pouvoir de la création. Tu dois être en mesure de créer comme Dieu a créé. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, tu dois être en mesure de créer comme Dieu a créé. Ça, c'est la première chose que tu dois déployer, le pouvoir de la création. Celui qui veut bien commencer une affaire, un business, quelque chose de nouveau, doit opérer dans le pouvoir de créer. Tu as ce pouvoir en Christ Jésus qui vit en toi. Tu as le pouvoir de créer parce que Jésus vit en toi. Alléluia, alléluia. Dis avec moi, j'ai le pouvoir de créer par Christ qui vit en moi. J'ai le pouvoir de créer par Christ qui vit en moi, par Christ qui vit en toi. Tu as le pouvoir de créer, créer une nouvelle chose, créer quelque chose de nouveau, créer. Oh, caché, bro, comme Dieu a créé le ciel et la terre, tu as le pouvoir de créer. Deuxièmement, nous avons vu le pouvoir de faire face. La Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre, et la Bible dit que la terre était informe et vide. La terre étant informe et vide, alors il est clair que chaque fois que Dieu a créé une chose, l'ennemi s'est levé, l'adversité s'est levée, l'esprit du découragement s'est levé pour essayer d'empêcher le processus. Mais je viens te dire, Satan est un menteur. Tu dois, pour pouvoir bien commencer, t'armer de la capacité de la pensée de faire face. Tu dois être capable de faire face. Ou que quelqu'un m'écrive, je fais face. C'est-à-dire, il n'y a aucune bonne chose, il n'y a aucune belle opportunité qui ne demande pas l'endurance, qui ne demande pas cette habilité de faire face. Alors, tu dois être en mesure de pouvoir faire face. Si tu veux aller loin, un nouveau projet, une nouvelle grâce, pour pouvoir bien commencer, tu dois avoir le pouvoir de faire face. Oh, dis-moi, j'ai le pouvoir de faire face. Oh, dis-le-moi, j'ai le pouvoir de faire face. Tu dois être capable de faire face, tu dois être capable de pouvoir réellement regarder la chose dans ce sens que tu te prépares à l'adversité, tu te prépares au diable, tu te prépares aux attaques et aux assauts de l'ennemi. Les attaques dans la vie d'un homme, dans la vie d'une église, dans la vie d'une famille sont fonction du niveau du dépôt. Voici le Dieu qui crée le ciel et la terre, Dieu qui crée le ciel et la terre, et la terre est informe. 1. Elle est vide. 2. Et il y a les ténèbres à la surface de l'abîme. C'est-à-dire, Dieu crée quelque chose qui a un problème à trois dimensions. C'est informe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sens réel. C'est vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consistance. Et puis maintenant, c'est ténébreux. Ça veut dire que ça ne brille, ce n'est pas éclairé. Peut-être dans ta vie, tu opères en ce moment dans une de ces trois dimensions où c'est informe. Ton business n'a pas de forme. Tu ne sens pas la forme dans ton mariage. Tu ne sens pas la forme dans ton église. Je veux te dire, aie la capacité de faire face. Tu as ce pouvoir en toi. Le Créateur vit en toi, en travers Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là. Le Père est là.
tu peux faire comme le Père. Le Père ne s'est pas arrêté de créer parce qu'il y a eu la partie informe. Il ne s'est pas arrêté de créer parce que c'était vide. Il ne s'est pas arrêté de créer parce que c'était ténébreux. Oh, ne t'arrête pas. Peut-être tu es dans la dimension des vides. Peut-être tu ne sens pas tes choses. Tu ne sens rien. Tu ne sens rien. Je t'annonce que tu as le pouvoir de faire face. Peut-être tu es dans la troisième dimension. Tu es en train de vivre des ténèbres. Il y a les ténèbres. Tu as toujours les attaques, les oppressions nocturnes, les attaques à tous les niveaux. Pourtant, c'est Dieu qui t'a donné ce mari, Dieu qui t'a donné cette femme, Dieu qui t'a donné cette chose, Dieu qui t'a donné cette opportunité. Mais tout le temps, tu vois les ténèbres, tout le temps, tu vois les ténèbres. Dieu t'a dit qu'il va te faire prospérer. Tu as lu dans la parole de Dieu que tu dois prospérer, mais c'est comme si à l'aurore, le matin, ce sont les ténèbres qui te devancent. Tu ne fais que voir le contraire de la chose. Tu ne fais que voir l'adversité au niveau des ténèbres. Et tes choses sont toujours obscures. Il y a toujours comme un manteau, un voile de ténèbres qui est tombé sur ta vie. Je viens t'annoncer en ce jour, tu as le pouvoir de faire face. Que quelqu'un m'écrive, j'ai le pouvoir, j'ai en moi le pouvoir de faire face. Ça veut dire que les ténèbres ne domineront pas toujours. Parfois, Dieu peut te faire une promesse. Parfois, ce que tu vois, c'est le vide. C'est informe. Soit ce sont les ténèbres. Je veux t'encourager en ce jour en te disant que tu as le pouvoir de faire face. Cette situation n'est pas appelée à rester permanente. Elle est passagère. Et elle ne te détruira pas, elle ne te déstabilisera pas. Ne te laisse pas déstabiliser parce que tu vois le contraire de la vision. Dans Habacuc, il est écrit: si cette vision tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Alors, je vais dire à quelqu'un qui, depuis un certain temps, est en train de voir le contraire de la vision, en train de voir le contraire de ses attentes, le contraire de son travail. Dieu t'a pourtant dit comment cette affaire, mais ce n'est que le contraire que tu vois. Ça arrive très souvent parce que l'ennemi est toujours invité dans l'arène de la gloire. Il est toujours invité dans le festin de l'élévation. Alors, je vais dire à quelqu'un, si tu es en train de faire quelque chose guidé par Dieu, et c'est ton Père céleste qui a donné l'instruction et tu as commencé à le faire. Cette chose est dans tes entrailles. Cette chose vient de Dieu. Cette chose est le projet divin pour ta vie. Et que directement, tu te rends compte que le diable a commencé à opérer dans un de ces points, c'est-à-dire informe. Il a rendu la chose informe où c'est vide, où c'est ténébreux. Je viens te dire une chose, ne te décourage pas. Ne commence pas à remettre en question ta vision ou le fait que Dieu t'ait parlé. Ne remets pas en question tes capacités, tes compétences, tes aptitudes. Ne remets pas en cause. Ne remets pas en cause ton mari, ta femme. Ne remets pas en cause l'enfant qui vous a donné. Ne remets pas en cause la maison. Ne remets pas en cause la semence que Dieu a déposée dans ta vie. Oh, que quelqu'un me dise, je ne remets pas en cause ce que Dieu m'a donné à cause de l'adversité. À cause de l'adversité, je ne remets pas en cause. Écris-moi cela. À cause des combats, je ne remets pas en cause. À cause des problèmes, je ne remets pas en cause. Écris-moi cela. Ne laisse pas l'information extérieure que tu as, du fait que ce soit informe, que ce soit vide et que ce soit ténébreux, dicter ta ligne de conduite. Ne laisse pas l'entourage qui t'amène à voir que c'est informe, c'est vide et c'est ténébreux, te dicter ta conduite. La vision s'accomplira. Oui, 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 Oscar, ma vision s'accomplira, c'est bien, déclare cela. Ne t'arrête pas, prophétise sur ton clavier. Si une parole te saisit pendant l'émission, c'est prier avec les géants. C'est-à-dire, si une parole te saisit pendant que je suis en train d'exposer les pépites de la vérité qui sont la parole de Dieu, qui sont Jésus-Christ, prophétise cela sur ton clavier. Prends ton clavier comme moi et écris quelque chose, prophétise sur ta vie. Ma vision s'accomplira, je ne laisse pas l'information venant de l'adversité me déformer. Je ne laisse pas l'information venant de l'adversité me déformer.
Je suis conduit non par l'adversité, mais par la vision. Je ne suis pas conduit par l'adversité, mais par la vision. Je ne suis pas conduit par l'opposition, mais par la parole de Dieu. Je suis conduit par l'illumination, la révélation de la parole de Dieu. Je ne suis pas conduit par ce que je sens. Je ne suis pas conduit par ce que mes yeux voient, mais je suis conduit par la foi. Oh, je ne marche pas par la vue, par mes sens, par mes oreilles. Je marche par la foi. Si Dieu a dit avant, j'avance. Si Dieu a dit cours, je cours. Yeah! Ça peut être informe, j'avance. Ça peut être vide, j'avance. Ça peut être ténébreux, j'avance. Peut-être tu es en train de faire une chose et c'est informe, avance. Peut-être tu es en train d'accomplir une chose depuis c'est vide, avance. Peut-être tu es en train d'accomplir, les ténèbres sont dessus. C'est comme si le diable a pris le contrôle et le dessus avance. J'ai envie de dire à quelqu'un, écris-moi, j'avance. J'avance malgré tout, j'avance malgré les combats, j'avance malgré l'opposition, j'avance. J'avance malgré l'information, j'avance malgré les ténèbres. Les ténèbres vont reculer. Je me fiche s'ils sont en train d'avancer. Tout ce que je sais, c'est que je suis un fils de Dieu et j'avance. Est-ce qu'il y a un prophète ici qui est en train de prophétiser sur son clavier? Prophétise sur ton clavier, ne t'arrête pas. Que tes doigts se mettent à prophétiser ta prophétie. Commence à amener tes doigts, commence à prier avec ta bouche et avec tes doigts. Prophétise sur ton clavier maintenant et que l'ordre soit établi. Que ce soit dans le numérique, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le naturel, que tout s'organise maintenant. Oh, kato subra kata, j'avance. J'avance malgré l'information de l'adversité, malgré que c'est informe, malgré que ce soit vide. Ouh, j'avance. Que quelqu'un me dit j'avance. Celui qui veut bien commencer doit être capable de faire face à l'adversité qui est informe, à l'adversité qui est vide, à l'adversité qui est ténébreuse. Aïe. Peut-être tu ne vois pas les résultats comme tu devais les voir. Avance. Peut-être les gens qui t'entourent te font comprendre que tu ne vas pas mettre long dans cette histoire. Avance. Peut-être les rêves que tu as la nuit te rappellent que le mariage, ça ne va pas durer. Avance. Peut-être que les rêves que tu es en train d'avoir te font comprendre que la vision, le projet, le ministère que Dieu t'a donné ne durera pas. Avance. Peut-être qu'on est en train de te dire que ta vie n'a pas de forme. Avance. Peut-être on t'a dit que ta vie n'a pas de sens. Avance. Peut-être on t'a dit que ta vie est vide, que ta vie de prière est vide. Il y a des moments où tu sens que c'est vide. Tu pries, c'est comme vide. Tu fais telle chose, c'est comme vide. Ne te fie pas à ce que tu sens. Continue de prier. Prie quand tu sens. Prie quand tu ne sens pas. Fais la chose par obéissance. Dis avec moi, j'avance. J'avance. Je continue d'avancer malgré l'adversité. J'avance. Les gens ne m'aiment pas, j'avance. Les gens m'aiment, j'avance. Les gens m'apprécient, j'avance. Ils ne m'apprécient pas, j'avance. Les choses ne donnent pas, j'avance. Les choses donnent, j'avance. La promesse que quelqu'un m'a faite ne vient pas, j'avance. La promesse est faite, j'avance. Que je sois content, j'avance. Que je sois attristé, j'avance. Que je sois apprécié, j'avance. Que je sois déprécié, j'avance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire face ici? Est-ce qu'il y a un fils de prophète ici qui est en train d'avancer? Est-ce que tu prophétises? Tu prophétises. Mon mari me soutient, j'avance. Il ne me soutient pas, j'avance. Ma femme est là, j'avance. Ma femme n'est pas là, j'avance. Le mariage vient, le mariage ne vient pas, j'avance. Shebra katorosu kataraba. Shebo yo ketara sababa ye kenosu kataraba babenosu. Ribaba ye kenosu ketaraba. Je ne m'arrête pas. Avec l'approbation des membres de ma famille, j'avance. Sans leur approbation, j'avance. Je suis inconditionnel. J'ai l'art de faire face. Mon front est dur.
Mon foin est dur. Avec l'emploi, j'avance. Sans emploi, j'avance. Avec l'enfant, j'avance. Sans enfant, j'avance. Quand c'est informe, j'avance. Quand c'est vide, j'avance. Quand c'est ténébreux, j'avance. Quand c'est haut, j'avance. Qu'il pleuve ou qu'il neige, j'avance. Qu'il fasse soleil, j'avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es en train de parler en langue? Est-ce que tu es en train de prophétiser avec ton clavier? Sheibra kata sababa. Je viens d'avoir une nouvelle difficile, j'avance. Je viens d'avoir une bonne nouvelle, j'avance. Je viens de vivre quelque chose de rude, j'avance. Je viens d'avoir un mauvais rêve, j'avance. Je viens d'avoir des mauvaises nouvelles, j'avance. Je ne m'arrête pas, je suis inconditionnel. Je suis inconditionnel. Je suis inarrêtable, je suis instoppable. Je suis inconditionnel. Est-ce qu'il y a un inconditionnel ici? Alléluia, alléluia, un inconditionnel ici. Si tu veux bien commencer, tu dois opérer dans le pouvoir de faire face. C'est un art. Tu ne peux pas commencer une maison, tu ne fais pas face, il y aura l'opposition. Tu ne peux pas commencer, les vents vont souffler, la tempête va frapper, l'eau va venir, il faut que ça éprouve ta fondation. Tu ne peux pas commencer une chose de Dieu sans avoir le pouvoir de faire face. Déploie ce pouvoir. Pendant que tu es en train de prophétiser, ce pouvoir est en train de se manifester. Et maintenant, tu ne seras plus abattu, tu ne seras plus découragé, tu ne seras plus amer. Tu n'accuseras plus les gens, tu ne seras plus en train de dire je suis fatigué. Non, lève-toi, fais face. La troisième dimension que nous avons vu la fois dernière, c'est le pouvoir de la matérialisation. Le pouvoir de la matérialisation, c'est-à-dire que Dieu a répondu à l'adversité en matérialisant, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux et Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire, pour matérialiser, il y a deux choses. Il faut inviter le Saint-Esprit. Pour pouvoir opérer dans le pouvoir de la matérialisation, comme nous l'avons dit, je fais un rappel, tu dois pouvoir inviter le Saint-Esprit. Quelqu'un en ce moment dit, j'invite le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, alors tu peux commencer à matérialiser les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu peux commencer à arranger ce qui est gâté. Tu ne peux rien arranger si l'Esprit de Dieu n'est pas là. S'il n'est pas là, tu ne peux pas arranger ce qui est gâté. Tu ne peux pas arranger, tu ne peux pas créer, tu ne peux rien faire. Alors commence à inviter le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, commence à te mouvoir dans la dimension de ma vie, dans mes affaires, dans ce qui ne marche pas. Commence à te mouvoir sur ma profession. Dis qu'il se mouvait sur la surface des eaux. Sur la surface des eaux. C'est-à-dire sur la parole de Dieu qui est sur ta vie. Dis-lui, Saint-Esprit, viens commencer à bouger sur la parole. Sur la parole, sur la promesse de ma vie, sur la prophétie de ma vie. Peut-être il y a des années, un prophète a prophétisé sur toi. Un homme de Dieu, ton pasteur, a prophétisé sur un aspect de ta vie et tu n'as rien vu. Maintenant, pour que tu puisses voir, dis au Saint-Esprit, commence à te mouvoir. Esprit de Dieu, viens, commence à bouger sur la surface de ma prophétie, sur la surface de ma promesse. Viens, Saint-Esprit, appelle-le, tout le monde. Appelle le Saint-Esprit sur la surface de tes affaires, sur la surface de ton couple, la surface de ton église. Commence à te mouvoir, Esprit de Dieu. Invite-le. Oui, Adassa, tu dois inviter Jésus. Tu dois inviter Jésus. Tu dois inviter le Saint-Esprit à commencer à se mouvoir sur la surface de ta prophétie, sur la surface du programme divin pour ta vie, sur la surface de la chose qui ne marche pas. Invite-le. Wow. Et la deuxième chose pour matérialiser maintenant, la Bible dit, Dieu dit, et Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire maintenant la déclaration. Et ta déclaration, nous l'avons dit la fois dernière, apporte la lumière. Tu ne dois pas fermer ta bouche, tu dois déclarer. Comment? Et quand le Saint-Esprit est déjà là maintenant, on peut déclarer, la lumière sera.
déclare sur la chose qui ne marche pas, la déclare. Déclare l'élévation. Déclare la transformation. Maintenant, déclare sur l'aspect de ta vie qui ne marche pas. Au nom de Jésus, que la lumière soit. Vas-y, 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 vas-y. Je veux te voir déclarer. Oui, Marie-Marcel, Saint-Esprit, je t'invite à te mouvoir sur la surface du programme divin pour ma vie. Oui, maintenant, je veux te voir déclarer. Déclare sur ce qui ne marche pas. Mon travail marche maintenant. Que la lumière soit sur mon travail. Que chacun déclare. Je veux déclarer avec toi. Pendant que je veux lire ta prophétie. Tonda, viens sur la surface du projet divin dans ma vie. Au nom de Jésus. Aimance, viens te mouvoir, Saint-Esprit, sur la surface de mes études. Au nom de Jésus. Mon ministère. Oh, ma foi. Mes affaires, mes finances. Esprit de Dieu, commence à te mouvoir. Je déclare que la lumière soit dans ces aspects. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui. Transformation de ma famille, ma destinée, ma vie de prière. Sur Excellence Métiob, reçois. Esprit de Dieu, je déclare que la lumière soit. Saint-Esprit, viens sur Marine Gonga maintenant. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. La lumière soit sur l'élévation de Tonda maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que la lumière soit sur son élévation. La promesse que tu as faite sur sa vie, que l'élévation soit. Que la lumière soit sur le programme de la vie de Marie Jane, sa destinée. Que la lumière soit maintenant au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prophétiser? Et je veux m'accorder à toi. Sur le travail de Marie Marcel et sa vie de prière. Que la lumière soit au nom de Jésus. Transformation dans la famille de Moselle, l'ange de Dieu. Que la lumière soit sur son projet. Je ne sais pas de quel projet il s'agit, mais je déclare que la lumière soit. Reçois cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prophétiser à travers son clavier en ce moment l'accomplissement dans ses affaires, dans les affaires de Marie Jane? Je déclare que la lumière soit au nom de Jésus sur tous les plans de la vie de Claudia. Que la lumière soit maintenant. Katasebro konosubra kabaye keonos rosoke katarabaye brokotosubra kabaye keros. Sur la surface de la vie de Ange Gonga, Marine Gonga, je déclare que la lumière soit. Est-ce qu'il y a un autre sujet? Il y a un autre sujet. Est-ce qu'il y a un autre sujet? Les finances. Et la maison de gloire sur la vie de Moselle. La lumière soit. La conversion des sœurs de Prisca. Que la lumière soit maintenant au nom puissant de Jésus. Que la lumière soit sur ta foi afin que tu ne dégringoles pas. Oui, sur ta foi, que la lumière soit sur ta foi, Prisca, que la lumière soit sur la boutique des vêtements de Moselle à l'instant même que la lumière entre dans cette boutique. Au nom de Jésus, sur la mentalité de Marie Jane afin qu'elle opère dans le service reconnaissant. Au nom de Jésus, que la lumière soit dans la croissance spirituelle, financière, numérique de la maison de gloire, au nom de Jésus, de ton église, au nom de Jésus, sur les enfants de Marine Gonga, sur son mariage, sa vie de prière, et sur son église, j'invoque la lumière de l'Éternel. Que la lumière soit, waouh, waouh, waouh. Sur les finances d'Oscar, l'instant, au nom de Jésus, que la lumière soit, que la lumière localise ses finances et qu'il s'accomplisse sur la vie de Sophonis, reçoit la lumière, les mains sont levées, reçoit la lumière, alléluia, alléluia, vas-y, invoque la lumière, déclare la lumière, sur tes projets, ton projet de voyage, reçoit la lumière, aïe, quelqu'un en train d'être béni. Quelqu'un est en train d'être béni. La lumière est en train de s'installer et d'entrer. Oui, prophétise.
Alléluia, alléluia. Quelqu'un est en train de faire les déclarations. Quand l'Esprit de Dieu est là et que tu déclares, comme en ce moment le Saint-Esprit est dans la salle, il est en train de se mouvoir. Alors ta déclaration en ce moment, à travers ton clavier, oui Esther, déclare, Esther, déclare la lumière à la radio que tu es en train de diriger en ce moment. Pendant que quelqu'un est en train de déclarer, alléluia, pendant que tu déclares, quand l'Esprit de Dieu est là, il se trouve que la chose se matérialise. La Bible dit, la lumière fut. Je t'annonce que la lumière fut, c'est-à-dire ça se matérialise. Dieu appelle la lumière et elle se matérialise. Waouh! Je t'annonce. Oui, sur le serviteur de Dieu, sur Maman Cathy, oui, Marie Ngonga, la lumière. La lumière sur la famille du serviteur de Dieu, que la lumière soit. Prophétise, profite de cette occasion. Il y a des moments où tu peux déclarer, rien ne se produit tout simplement parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais quand le Saint-Esprit est là, ça fait une étincelle. C'est comme une bûchette d'allumette qui rencontre le boîtier de l'allumette. Alors, paf! Et la lumière fut. C'est l'occasion de déclarer en ce moment. C'est l'occasion de déclarer. Est-ce que tu es en train de déclarer que la lumière soit? La lumière soit, je ne sais pas dans quel domaine, dans ta santé, dans tes finances, sur ton ventre, la lumière soit, pour que tu conçoives, la lumière soit. Je déclare la lumière. Ouh, sur les anciens et les diacres de ton église. Oui. Je déclare la lumière. Waouh. Il y a tellement de déclarations. Déchaîne-toi et déclare. Prophétise. Pendant que tu es en train d'écrire, prie en langue. Je pose la main sur tes sujets de déclaration et je dis que la lumière soit. Que la lumière soit, je me connecte à tes sujets et je dis que la lumière soit. Maintenant, que sobra baye que no su katara babaye que rose, nura kato sobra kabaye. Que la lumière soit au nom de Jésus. Wow. Wow. Alléluia. Le quatrième pouvoir, allons-y, on va aborder cela. Wow, la prière, oui, super. La Bible dit, wow, la lumière fut. Je célèbre. Commence à louer Dieu. Le pouvoir de la matérialisation, le troisième volet, c'est la louange prophétique. Oh, le Seigneur ne veut pas que je touche le quatrième point là aujourd'hui. Pouvoir de la matérialisation, premier volet, inviter le Saint-Esprit. Deuxième volet, déclaration prophétique. Troisième volet, la louange prophétique. Est-ce que quelqu'un est en train de louer en espérance? La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. La louange prophétique. Commence à louer comme si la chose était déjà. Commence à louer. Alléluia. Ça va revenir sur le quatrième point. Commence à louer. Dis merci au Seigneur pour tes affaires, pour ton mariage, pour ta vie de prière qui est revenue, parce que la lumière fut veut dire que tu vois ça dans l'esprit. Amen. Parce qu'avant que la chose ne soit physique, il faut pouvoir l'apprécier dans l'esprit, il faut pouvoir se réjouir en espérance. La Bible dit que Abraham a vu le jour du Seigneur. Or, Abraham n'était pas là quand Jésus est venu. Abraham était mort depuis. Mais la Bible dit qu'Abraham a vu son jour et il s'est réjoui. Ça veut dire qu'il y a les choses que tu attends, mais il faut les voir dans l'esprit. Donc le troisième volet de ce troisième point, c'est la louange prophétique. Commence à louer. Oh, le Seigneur nous instruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de louer Dieu déjà? Ton mari n'est pas dans la foi, mais tu as déclaré qu'il est dans la foi, mais n'a pas ça la troisième dimension. Loue prophétiquement. Oui.
Et la lumière fut, et la lumière fut. C'est ça le volet de la louange prophétique, et la lumière fut. Alléluia, sur Ange Conga, Marie-Louise dit, je te loue Seigneur, je te rends grâce pour ton trône d'amour inconditionnel, je te célèbre. Oui, loue pour ton mari, loue pour tes enfants, commence à louer la santé de mon fils Élie, commence à louer, commence à louer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de louer, louer, louer la louange prophétique? Aïe, aïe, aïe. La louange prophétique. Loue déjà pour tes contrats. Tu sais, quand ça arrive à ce moment, tu commences à sourire. Je veux voir quelqu'un louer Dieu en espérance. Quand la Bible dit de louer en espérance, ça veut dire que tu n'as rien vu physiquement, hein, mais tu te mets à louer. Donc, ça veut dire que tu as vu dans ton esprit. Mais ce n'est pas encore dans le matériel, dans le physique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui loue Dieu en espérance? Loue Dieu en espérance parce que le problème est résolu. Vas-y, vas-y. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je viens te louer pour la boutique des vêtements. Un succès, je te loue pour les sponsors que tu suscites dans la vie de Moselle. Je te loue pour Lydie, que tu guéris de diabète et de l'hypertension en ce moment même. Je veux te louer, Seigneur, pour la vie spirituelle de Marie. Marie Ngonga, je te loue, Seigneur, pour Mama Holiness. Pour ta fidélité dans la vie de toutes les jeunes femmes de son église, je te loue. Est-ce que quelqu'un est en train de louer? C'est-à-dire, tu loues sur ce que tu as prophétisé. Tu commences à voir ça dans l'esprit. Parce que tu dois pouvoir te réjouir en espérance. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Est-ce que tu es en train de louer Dieu? Louer Dieu en espérance, c'est comme Abraham. Dieu lui a promis un enfant dans le livre de Romains et il s'est mis à espérer contre toute espérance. C'est incroyable. Je veux lire ça pour toi afin que tu puisses... Oh, waouh, waouh, waouh. Apprends à louer Dieu en espérance. Apprends à louer Dieu en espérance. Romains chapitre 4, verset 16. Est-ce que tu es là? La Bible dit, selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre. Il est le Père. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Waouh, c'est le thème qui est impressionnant. C'est-à-dire, tout te dit que tu n'as rien, mais tu espères. Il crut en sorte qu'il devint un père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé
parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Ça veut dire qu'il y avait l'adversité dans sa vie. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, c'est-à-dire louant Dieu. Donc, quand tu commences à prophétiser, quand tu commences à inviter le Saint-Esprit, tu continues à prophétiser, tu dois pouvoir louer. Dis avec moi, louange, je loue en espérance. Je loue en espérance. Je loue en espérance. Aïe, espérant contre tout. Il ne douta point par incrédulité. Quand tu loues, ça t'empêche de douter. Quand tu loues, ça te permet. Oh, je veux parler à quelqu'un. 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 Quand tu loues, ça t'empêche, comme Abraham, de douter par incrédulité au sujet de la promesse. Quand tu loues, ça te permet d'avoir la consistance spirituelle pour amener le spirituel dans le naturel. Oui, la louange t'empêche de douter. Ça veut dire qu'elle a un impact sur toi. Elle t'empêche d'être le frein au miraculeux. Deuxièmement, la louange ouvre un accès, un corridor à la dimension spirituelle pour qu'elle puisse transiter dans le naturel. Alors commence à louer Dieu pour cette promesse que Dieu t'a faite et que tu as déclarée. Loue Dieu. Quand tu loues Dieu aussi, ça affaiblit Satan. Ça affaiblit Satan, c'est-à-dire il perd les forces. Parce qu'à ce moment, l'autel de Dieu est élevé, son autel faiblit. L'autel satanique faiblit. Quand l'autel de Dieu est élevé, le feu sur l'autel de Dieu prend de l'ampleur, l'autel satanique perd ses forces. La louange te permet de donner de la valeur à l'autel de Dieu au point de défavoriser l'autel satanique. La louange a un impact sur le monde des ténèbres. Elle renverse les ténèbres, elle renverse le ministère des démons, elle renverse leur puissance. Lorsque la louange, elle fait, c'est à l'image des spectateurs qui acclament leur joueur dans l'arène, dans le stade. À ce moment, donc maintenant, le résultat des courses, non seulement l'équipe adverse est fragilisée, ta louange fragilise Satan et ta louange donne la force au divin, c'est-à-dire le ministère des anges opère facilement dans une atmosphère de louange. Donc, je me résume, lorsque tu fais la louange prophétique, c'est-à-dire que tu as invité le Saint-Esprit, tu as prophétisé en déclarant que la lumière soit maintenant, lorsque tu dis « et la lumière fut », c'est-à-dire maintenant, c'est une autre dimension de la prophétie qui est la louange. C'est pourquoi on parle de louange prophétique. Ça veut dire que je loue, je n'ai pas vu physiquement, mais je loue parce que c'est établi dans l'esprit. Alors, ça fait quoi? Ça fait en sorte que toi-même, tu es un terrain propice, tu es plus fort, tu es plus encouragé, tu crois plus, tu ne doutes pas par incrédulité. Deuxièmement, ça joue sur le spirituel, ça crée une atmosphère favorable qui permet au divin ou au miracle de transiter du spirituel dans le naturel. Troisièmement, c'est comme des spectateurs, ça fragilise l'ennemi plus l'équipe adverse. Ton équipe est en train, tes spectateurs sont en train de crier, plus l'ennemi est fragilisé. Et enfin, plus il crie, plus on loue, plus on célèbre, plus l'équipe joue bien, c'est-à-dire plus le ministère des anges est encouragé. Les anges se sentent à l'aise dans une atmosphère de louange. Ils sont contents quand la louange est opérée et ils sont libres de se mouvoir dans la maison de louange, dans l'église de louange, dans la vie de louange. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La louange prophétique chasse les ténèbres dans ta vie. La louange prophétique ouvre l'atmosphère pour que le miracle soit possible. La louange prophétique fragilise l'ennemi. La louange prophétique, la louange prophétique, ouh, encourage le ministère des anges. Thank you.
quand il y a louange prophétique, c'est incroyable. C'est incroyable comme tu deviens plus, je dirais, positif. Tu deviens plus ta foi grandit. Tu es plus digne de foi. Tu n'es pas amer, tu n'es pas incrédule. Quand la louange prophétique est là et que tu dis la lumière fut, c'est-à-dire je sais qu'il m'exauce, je sais qu'il est là. Alors à ce moment, tu es confiant, tu es dans la confiance. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, tu crées une atmosphère autour de toi qui rend le miracle propice. Oui, le miracle propice. C'est pourquoi quand Jésus entrait dans un endroit, il y avait un mort. Il chassait les pleureurs parce qu'il fallait créer un endroit, une atmosphère propice au miracle. Les pleureurs vont interrompre, les murmures vont interrompre, les plaintes vont interrompre. Le mécanisme, la chimie du miracle. Quand il y a un endroit où on se plaint, tu te plains trop de ton mari, tu te plains trop de tes femmes, la chimie du miracle ne se fera pas. Mais si tu commences à louer prophétiquement, je te loue parce que mon mari change, je te loue parce que ma femme change, à ce moment, ce qui se passe, c'est que non seulement ça joue sur toi, tu deviens plus positif, tu deviens plus enclin à la foi, mais deuxièmement, tu crées une atmosphère à la maison qui rend le miracle possible. Alléluia, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, à ce moment, l'atmosphère, le miracle peut atterrir chez toi. Ça devient un report, un lieu d'atterrissage du miracle. C'est-à-dire, tu crées une atmosphère dans laquelle le miracle est possible. C'est pourquoi Jésus chassait les pleureurs. Et il restait qu'avec les parents, les gens qui ont le fardeau, les gens qui sont positifs, qui croient, qui aiment leur fille. Parce que c'est dans ce genre d'environnement qu'il faut s'aimer sa graine. C'est dans ce genre d'atmosphère qu'il faut, il faut opérer parce que le sol est fertile. Alors, ne marche pas avec les pleureurs, ne marche pas avec les gens qui se plaignent, qui sont en train de faire comme si ta vie est finie. Non, marche avec les gens qui créent une atmosphère, le type d'atmosphère de louange prophétique. C'est-à-dire, je n'ai pas d'argent, mais on peut sourire et ça crée une atmosphère de finance. Oui, Olive. Ensuite, la louange prophétique affaiblit l'ennemi, elle affaiblit Satan. Ça, c'est le troisième volet. Elle affaiblit Satan. Ça veut dire que quand tes spectateurs commencent à crier, à t'acclamer, subitement, l'ennemi sent qu'il n'est pas soutenu, il sent qu'il n'est pas encouragé, il sent qu'il est en train de perdre. Je vais dire à quelqu'un, commence à louer prophétiquement, loue prophétiquement, ne t'arrête pas, continue de louer prophétiquement pour les choses qui ne marchent pas, qui ne marchaient pas, que tu as déclaré sur le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir. Et je t'annonce une chose, à ce moment, l'ennemi va mal jouer, il va commencer à me perdre. Parce que quand tu commences à louer, à ce moment, l'ennemi perd ses moyens, il est sous pression. Mets l'ennemi sous pression en louant Dieu pour ce que tu n'as même pas encore dans le physique, mais que tu vois dans l'esprit. Mets ton ennemi sous pression. Mets suffisamment ton adversaire sous pression au point où il réalise que il n'a d'autre choix que de perdre ce match. Parce qu'en fait, il a déjà perdu par Christ Jésus qui nous a sauvés à la croix. Alléluia. Et enfin, ça fait en sorte que le ministère des anges peut se mouvoir librement. Le ministère des anges ne peut se mouvoir librement que dans la louange. Ils peuvent marcher avec toi facilement parce que tu es dans une atmosphère de louange. Au lieu d'être dans les plaintes et les murmures, mais tu es dans la louange. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Pas au milieu des murmures ou des plaintes, pas au milieu des accusations que tel m'a fait, mais Dieu siège. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on dit Dieu siège. Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Ça veut dire que quand le peuple loue, quand tu commences à louer, quand tu commences à apprécier Dieu, quand tu commences à faire la louange prophétique, Dieu trouve un trône et il siège dessus. Ah, waouh. Quand Dieu siège dans un endroit, son règne s'établit dans l'endroit-là. Quand tu es en train de louer, Dieu siège.
sur tes combats. À ce moment, la bataille devient favorable. Elle t'est favorable. Wow! Alléluia, 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 alléluia. Tu as l'avantage à travers la louange prophétique. Donc aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour toi. Si tu as été béni, dis-moi, j'ai été béni. Pendant que nous sommes à la fin de notre 13 heures d'aujourd'hui, oui, j'avais bien dit qu'on risquait de ne pas finir avec cette série aujourd'hui parce que de plus en plus le Seigneur permet que nous puissions entrer dans d'autres volets. Aujourd'hui, nous nous sommes attardés sur le troisième aspect de la matérialisation qui est la louange prophétique. Donc, de bien commencer, demande d'avoir le pouvoir de la matérialisation. Le pouvoir de la matérialisation consiste à inviter le Saint-Esprit à se mouvoir sur la surface de tes eaux. Deuxièmement, à déclarer que la lumière soit. Et troisièmement, à constater dans ton esprit que la lumière fut par la louange prophétique. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu as compris ces trois volets? Inviter le Saint-Esprit à se mouvoir, déclarer que la lumière soit. Et troisièmement, constater que la lumière fut. Et le constat là se fait spirituellement d'abord. C'est-à-dire, tu commences à constater, je te loue, Père, de ce que tu as fait ceci. Je te loue, Père, de ce que tu as accompli ceci. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu as été béni? Merci. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tonda, c'est très profond. Que Dieu soit loué. Olive, tu as été béni. Merci, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Moselle a été... Oh, Sophonie aussi. Moselle et Sophonie, bénis jusqu'à... Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi, partage cela. Est-ce que quelqu'un a été béni? Oscar, fais le signe. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse. J'attends de tes nouvelles. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi qui as été béni, nous sommes à la fin de notre 13 heures de cette semaine. Réécoute. N'écoute pas une seule fois. Il y a des merveilles, des mystères dans cette émission. Réécoute et prie avec moi. Réécoute et prie avec moi. Marie-Marcel dit Amen. Prisca dit Amen. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as été béni? Je veux ton retour, je veux ton retour, toi qui es en ligne avec nous. Super, dit Marie-Jeanne, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia, 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 sois béni. Oui, Oscar. Marie-Marcel, shalom ma fille, sois bénie. Michel, que Dieu te bénisse. Seigneur, je veux te bénir pour chacun qui a été béni à travers cette émission. Je prie que ton Saint-Esprit continue à faire son œuvre et que le nom de Jésus soit richement béni. Et merci pour la suite. Merci pour la suite, Seigneur, pour ce que tu as accompli. Alléluia, je suis très reconnaissant pour les vies que tu as touchées à travers cette émission d'aujourd'hui. Amen, amen. Alléluia, c'était le 13h, prier avec l'aigle géant. Je suis le pasteur Patrick Botaga. À ton service, nous étions en train de parler
de là de bien commencer et nous sommes restés sur la troisième dimension de la révélation qui est le pouvoir de la matérialisation. Autant pour moi, reçois ce pouvoir et opère dans cela pendant que tu déclares shalom espérance, shalom à toi qui te joins à nous. Que Dieu te bénisse. Partage cette émission, invite plusieurs personnes davantage. Fais une séance vidéo, beaucoup seront bénis. À bientôt aux prochaines 13 heures. Que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom, 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 shalom. Amen.